Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Regardons ensemble notre animation satellite. On le constate, on a la chance d'être encore une fois protégé par cet anticyclone. Ce sera toutefois un petit peu plus calme pour la partie sud que pour la partie nord. On peut observer cette dépression qui arrive sur les îles britanniques et qui pourrait engendrer des vents assez importants. En attendant, pour votre mercredi matin, eh bien on constate alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ensemble du territoire. Ce sera un temps assez agréable avec des températures qui sont plutôt douces pour cette saison. On aura 17 degrés à Strasbourg, 18 pour Lyon, comptez 22 pour Nice, on aura 20 degrés pour Montpellier, on aura 21 à Perpignan et 16 degrés pour Biarritz. Pour votre après-midi, eh bien ça continue, hein, de nombreuses éclaircies, voire même du soleil pour la quasi-totalité du territoire. Ces vents qui seront présents au niveau des côtes de la Manche. Et puis pour vos températures, eh bien c'est très agréable. Estival, même pour un mois de septembre, on aura 27 pour Paris, 23 pour Lille, on aura 21 pour Brest, 26 pour La Rochelle, 30 à Bordeaux et 29 pour Biarritz. La tendance pour votre fin de semaine, ça se maintient jeudi, ce sera un petit peu plus nuageux vendredi avec une nette baisse des températures, notamment pour la moitié nord, on aura seulement 19 degrés. Et puis pour votre week-end et pour votre début de semaine, ça reste très agréable. Attention cependant, comme je vous le disais, hein, au vent qui pourra atteindre 110 km/h en rafale au niveau du nord du pays. On aura également des précipitations pour la région des Hauts-de-France et des températures qui sont en baisse à partir de lundi, seulement 15 degrés pour la moitié nord. Profitez donc de ces beaux jours. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.